Bonjour Virginie. Bonjour Stéphane. Un grand plaisir dans tous les cas de te retrouver après l'interview de ton père. Et donc on est dans une émission qui s'appelle Aimer sa rencontre. Et cette partie, je voudrais faire un focus sur ton parcours. Quel est ton parcours atypique avec un parcours de formation? Donc mon parcours, j'ai fait une école de commerce en 5 ans. Ensuite, j'ai travaillé 2 ans dans l'événementiel, donc pas de rapport avec le secteur. Ensuite, je me suis dit pourquoi pas reprendre finalement l'entreprise familiale. Donc pour ça, j'ai fait la formation à Sainte-Catherine. Au Mans, exactement, en alternance, du coup dans le magasin La Cuisine Française, où je suis restée après pendant 2-3 ans. Ensuite, j'ai travaillé 6 mois dans le magasin Pogenpol. Puis après 2-3 ans pareil dans le magasin Leicht, boulevard Saint-Germain, en tant que conceptrice. Puis après, depuis janvier, je suis à la direction du coup avec mon père. Donc ce parcours de formation, tu l'as fait à Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, c'est une organisation qui est reconnue aujourd'hui par les instances. Est-ce que ça a été une bonne formation pour être ensuite dirigeant de groupe et de société dans tous les cas? Oui, ça m'a beaucoup apporté le côté justement théorique que je ne connaissais pas du tout en arrivant dans ce milieu. Le côté technique, perspective à la main, plan à la main, implantation, etc. Et après toute la partie aussi commerciale qu'on a aussi à Sainte-Catherine comme formation. Cette troisième génération qui va piloter donc ce groupe, aujourd'hui il y a des nouvelles perspectives, des nouvelles envies? Oui, la principale c'est de mettre en avant la digitalisation du groupe et voilà, de le moderniser tout en gardant quand même le même axe et la même évolution. Magnifique. Exactement. Parfait. Merci dans tous les cas, Virginie. Merci à vous.